Samedi 13 août 2022. Frères et sœurs, moi senti en pile la joie dans cœur pour nous rencontrer encore dans travail ça. Et non pas cham bouquet dit l'Éternel merci pour faveur li pour bonté li envers nous. Pour direction que l'Éternel mette dans la vie nous. En nous prier bon Dieu nous. Cher Seigneur, merci pour amour pour faveur envers nous. Jodi a ou permet encore nous rencontrer dans le travail là. Avec même vision, même objectif là, l'Éternel, Papa. Pour l'évangile doit continuer à aller. Rive côté que nous même avec force pas non. Que nous pas arriver, cher Seigneur. Non la gueule frère Boubé avec toute famille là, mon. Maman, papa, li madame, ni petite, li Dion, Artex and Financial Service. Non la gueule le groupe Sabéos. C'est Betty Verdieu Paumelis et Jesus Combay Roofing, nous l'avons et Frère Sterling Clermont et business li activité li gen kap marché, nous m'a dou répondre le Saint-Esprit pour l'Éternel Papa. Nous l'avons l'Éternel Papa dans l'occasion, c'est Frère Issa Farius, Frère Issa Xavier, Frère Issa Naël, Frère Issa Félius, Frère Issa Raymond Joseph, Frère Issa Raymond André. Frère Issa Emmanuel, Frère Issa Kishnol, Frère Issa Kesnel, Frère Issa Pasteur Fritz Noël, et non la gué également dans mon Frère Issa Pasteur Exantus Sano, Frère Issa Pasteur Moïse Innocent, Frère Issa Pasteur Fritz Lalanne, Frère Issa Pasteur Joseph Sylvain, Frère Issa Maï Dorilas, Frère Issa Sano Jean-Claude, Frère Issa Sano Sage, Frère Issa Sano Harold, c'est cloni et c'est violent l'Éternel Papa ou qu'on est Dieu tout puissant qui et activité l'Éternel mariage li nous mandou rete avec au diriger au protéger au secours pour nous non la gué dans mon frère c'est Matsen Sinéus et frère c'est Peter Tevenet frère c'est Matsen Falaise frère c'est Fritz Dor frère c'est Aol Oris frère c'est Evanson Jack frère c'est Olu Jacques, Frère Issa Fekir Jacques, nous l'avons tout l'autre branche Jacques, yo, et Stalia, et Jocelyne, et nous l'avons également dans le monde, et Carole Bossi, Jacques Bossico, nous l'avons tout le monde dans le monde, et nous demandons l'Éternel Papa pour la gloire de ton nom, et diriger l'Éternel Papa. Frère Issa Dere, nous l'avons fait, Frère Issa Wesley, Frère Issa Joudan, Frère Issa Aska, Frère Issa Pasteur, alors Pasteur Aska, Frère Issa Pasteur Michel Saint-Fort, Frère Issa Pasteur Dadianilus, et Pasteur Kelibena avec toute famille. Nous l'avons tout le monde, nous m'avons dit l'Éternel diriger, protéger, orienter, Frère Issa Charles Anderson, et c'est Béatrice avec toute famille. Non, Madorité avec l'Éternel, Frère Issa Pasteur Elixon Verdieu. Toutes ces personnes sont entrées, mais l'Éternel répond grâce dans la vie, l'Éternel parce qu'on est capable. Frères et sœurs, nous sommes dans le chapitre 40. Nous sommes dans le chapitre 39 là. Tout ça, l'Éternel te fait. Et nous sommes finalement, ça qui t'a arrivé pour Jérémie. Mais nous pas dans la fin de la vie, Jérémie, non, là, toujours. Nous pral wè chapitre 40 là pralé montrer nous l'autre bagaille qui pral dit de Jérémie et reste peuple là qui t'a prêté. D'ailleurs, nous té wè que lorsque yo té prend Jérémie, yo té allé avec Jérémie, yo té et la gè Jérémie en amitan peuple là, nous pral wè explication yo, nous pral suivre toute explication yo et dans sens ça. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, lui envoya à Derama quand il le fit chercher, Jérémie était lié des chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on amena à Babylone. Vous entendez, frères et sœurs, les autres voyaient chercher Jérémie. Hein? Et Nebuzaradan t'a voué chercher Jérémie. Jérémie d'ailleurs pas oublier Jérémie était en prison déjà. Et qu'on y a là puisque
l'armée de Nebuchadnezzar ça a débarqué. Ils ont mis des chaînes dans pied tout captif. Jérémie te gen chaîne tout. Jérémie te gen chaîne tout, mais pas oublier serviteur l'Éternel yo dans toute situation. Et prend patience et nous même n'a dit ça, n'a dou pour kembe ça dans tête tout. Les non c'est serviteur l'Éternel, c'est pour non pas de presser, non pas de précipiter et non pas de agressif parce que des fois non agressif et verbalement et non agressif en action comme si non pensait que l'Éternel te doué faire intervention déjà. L'Éternel gagne intervention très certainement pour le faire, mais l'Éternel gagne l'air pour le faire tout à fait. Alors dit non et Jérémie t'a trouvé la rama et enchaîné même avec l'autre moun yo, mais en garder ça pour arriver dans verset 2. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit, l'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ces lieux. Alors, comme Jérémie même annoncé au fait, qu'on y a là, chef des gardes, là, il a parlé de Nebuzaradan, qu'on y a là, c'est lui même qui voulait chercher Jérémie. Et lui dit, Jérémie, tout bagaille qui est là, l'Éternel te dit déjà. L'Éternel a fait venir et exécuter ce qu'il avait dit. Donc c'est ça l'Éternel te dit, yo. C'est eux-mêmes qui a exécuté là. Ça veut dire et Nebuzaradan lui-même l'a informé, de sa crivea pour qu'on ait. C'est pas hasard lié. Son bagage qui était bien planifié qui arrivait là. Donc pour yo pas mettre dans tête yo, c'est bagage qui arrivait au hasard. Non, c'est bagage qui bien planifié. Qui rivait là. Alors, l'Éternel dit, monsieur, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Donc, Nebuzaradan, vous n'avez pas qu'à prêcher, si vous permettez-moi de dire ça, qu'à répéter et prophétie, d'ailleurs, prophétie, c'est Jérémie, et à Jérémie, l'Éternel t'est servi, qu'on y a là, et Nebuzaradan a pris pour Jérémie, il disait parce que peuple là, alors Jérémie te fait partie des peuples là, et ça qu'elle dit parce que vous avez péché là, contre l'Éternel, et vous n'avez pas écouté sa voix, bagage Jérémie qu'on est. Mais, il pral dit, Jérémie, on bagage là. Et maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Chaîne qui était verset 4 là frères et sœurs, il dit Jérémie chaîne ou gen amon yo là et je dis à même délivrer en bas on retirer. D'ailleurs l'Éternel te dit Jérémie ça et bien il retire chaîne yo nan men Jérémie il libérer Jérémie, il dit Jérémie et qu'on y a pral bay Jérémie et parole pour Jérémie choisi. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens. J'aurai soin de toi. Donc il dit Jérémie, si vous voulez venir à Babylone et on venir avec moi. Il dit ou libre, j'aurai soin de toi. Mais si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Donc ça veut dire ouais, frères et sœurs, Jérémie un gros bagaille, il est là, il ba Jérémie le choix. S'il veut aller à Babylone, il va aller à Babylone. S'il veut rester dans pays, il a prêté dans pays li parce que Jérémie t'est resté dans vie d'intimité à l'Éternel. Jérémie pas écarté de l'Éternel. Donc c'est même Jean frères et sœurs, moi même yo t'a demandé moi si me voulais aller à Babylone, t'a dit non. Parce que faut que moi dire ça frères et sœurs. C'est important pour nous comprendre ça. Moi-même, malgré j'ai la situation d'Haïti, je me sens mal à l'aise pour vivre en Haïti. Et je crois que vous pouvez comprendre ça. Vous pouvez comprendre que c'est avec quelqu'un temps, moi-même, je veux vivre la caille en Haïti. Parce que j'ai des moyens, des possibilités pour ne pas vivre la caille. Mais je me sens bien pour me vivre en Haïti la caille moi malgré tout ça gagne me sens là me sentim bien et m'a dit non ça si m'ta arrivé dans situation m'ta non pays et c'est plus gros maladie m'ta pral subir c'est la nostalgie parce que à chaque occasion m'ta songer la caille moi ouais nous voulons nous comprendre ça à chaque occasion m'ta songer la caille moi m'ta songer que l'aime la caille moi comment mieux parce que l'on veut ou non caille blanc pas caillou
Et ces situations de misère, situations de douleur n'a confronté au qui fait n'aller caille blanc, mais en réalité caille blanc pas caille nous. Vous comprenez? On veut les rentrer dans oreille chaque grain monde caille blanc pas caille nous. Caille nous, c'est terre natale là côté de fête là et ça fait frésisseur. Non même moi même personnellement m'gan pile problème les moi on a craser pays là, parce que l'or ou craser pays ou là. Pour nous avoir trouvé nos situations, nous l'autre côté où vivre. Et moi-même, je ne vais pas cacher de dire, je me songe. Je ne vais pas parler pour les États-Unis, mais je vais parler pour la République dominicaine. Je suis allé en République dominicaine 2007, je fais 4 jours en République dominicaine. Je me demande qui est pour 4 jours ça accompli pour me donner la caille. Je me demande qui est pour 4 jours ça fini pour me donner la caille. Tellement. Me senti la caille moi t'es bien la caille moi on pas gain problème la caille moi on voulait vivre la caille moi hein pour me détourner et me songe me t'a dit non m'aller les États-Unis pour la première fois d'après les États-Unis et me passe un mois les États-Unis moi ça c'était plus gros nostalgie me gain malgré avec mon moi t'es au prend soin yo sorti avec etc. Mais moi-même m'a à la caille m'a pensé alors les m'a bon toute explication ça aux frères et sœurs c'est pour nous qu'à parler des situations pour qu'à comprendre situation Jérémie kounya là et Nebuzaradan bay Jérémie le choix il dit Jérémie sou vle aller avec nous à Babylone ou libre et n'a prend soin là ou pas manquer rien alors ça Nebuzaradan dit Jérémie mais il dit Jérémie sous senti ou pas voulez aller à Babylone ou gen doit pas aller et il dit Jérémie regarde tout le pays qui est devant toi verset 4 là et va où il te semblera bon et convenable d'aller donc garde pays à devant en côté l'idée ou dit ou al vivre on prend côté l'idée ou dit ou al vivre aller côté l'idée ou dit ou à l'aise ou sans problème ou ca aller côté l'idée ou dit ou sans problème alors frères et sœurs n'a pas comprendre comment ça y est Jérémie gain le choix devant gain le choix devant ni mais les Nebuzaradan vinn di Jérémie ça Jérémie pas réagi rapidement Jérémie a pas réfléchi parce que vous connaissez les serviteurs de Dieu doivent attendre le mot divin on doit attendre parole bon Dieu avant que yo décider eh bien et dans verset 5 là frères et sœurs yo dit non et comme il tardait à répondre Jérémie devant Nebuzaradan Jérémie pour qu'on parle vous comprenez Jérémie devant Nebuzaradan Jérémie pour qu'on parle Jérémie a réfléchi et qui ça pour le t'a dit hein et parce que pas oublier Jérémie gain un choix devant c'est soit la Babylone li pral bien vivre et selon ça Nebuzaradan dit lui et c'est soit le rester dans pays a moi même t'a dit m'pa t'a bien vivre à Babylone c'est la caille moi dans pays m'ke m'ta bien vivre et bien Jérémie et pas répondre pour qu'on réponde et au dou dans verset 5 et comme il t'a dit à répondre retourne ajoute-t-il vers Gedalia fils d'Achikam fils de Shaphan que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda et reste avec lui parmi le peuple. Alors, finalement, puisque Nebuzaradan ouais monsieur pour qu'on décide, Nebuzaradan senti que Jérémie pas ta besoin à la Babylone. Et ça fait, il dit Jérémie on met tourner à joindre Gedalia parce que les Babylone et Nebuzaradan ça fin craser tout le monde et cetera. Nan moun ki te accepté obéi pou te rete sous zot Babylone yo Gedalia c'était yon la dan et c'est lui même yo mette chef sous toute ville Juda yo et ben li di misye ou met al jwenn Gedalia ou met al jwenn Gedalia la ou a viv la hein ou a rete la ou a ale kote li de ou di ou nan peyi a ou Jean Jérémie vin a lèz ou a ale kote li de ou di ou nan peyi a et le chef de garde lui donna des vivres des présents et le congédia yo ba li ba Jérémie en pile manger ba Jérémie l'argent les fini li ba Jérémie non imaginer le balrad alors yo dit li yo li bal des présents en plus traduit l'argent
parce que c'est bagay qui ka transporté on dit comme ça les fin li bal manger les fin li dit Jérémie met aller joindre Gedalia. Ça veut dire frères et sœurs et les non rete nan pied l'Éternel gan pile bagay l'Éternel ka fait Jérémie kounya al chita nan mitan peuple li et n'a dit Jérémie sou permettre moi dit ça Jérémie fait partie des moun riches yo kounya la li nan pays ya Jérémie bien à l'aise hein Jérémie gen droit à terre li gen droit avec toute richesse li bien à l'aise nan pays ya hein parce que Jérémie te rete nan trace l'Éternel li te obéi à la parole de l'Éternel et l'Éternel fait de Jérémie moun Jérémie ya la. Alors frères et sœurs son façon pour me dire ou pendant que n'a servi l'Éternel pendant n'a servi l'Éternel pas oublier non dans Jérémie chapitre 40 là et les noue difficulté au devant non noue moment noyo devant non pas ba tête non problème derrière moment noyo gain délivrance derrière moment noyo bagay yo gain pour changer derrière moment noyo bagay yo gain pour améliorer vous comprendre frères et sœurs faut nous comprendre ça donc c'est ça qui est là Jérémie kounya la vu bien Jérémie rete la kaeli même si alors elle me dit même si à son l'autre Paul m'a dit même si Jérémie pas senti là cœur content tout temps l'elle connaît pays là qu'on y a la vignon colonie babylonienne hein les vignon colonie babylonienne li pas jamais remet ça parce que moi même côté m'a parlé là situation Haïti à vivre là là m'pa gen l'autre bagaille dans tête moi c'est pour moi Haïti joindre une solution avec pour sortir en bas gang pour sortir dans situation d'insécurité bagay moun k'ap pede mouri chaque jour ça pour sortir la dan moun ki pa ka rit la kayo c'est trouver nan kouri monter descend l'école pa ka fonctionner université etc pa ka fonctionner tout bagay doual c'est solution ta men wè la dan mais anon imagine que c'est ta l'autre nation qui vini pour servir non sous prétexte c'est yo k'ap vini pour bay solution na situation moi m'bral trouver m'na souffrance encore oui en tant que citoyen nan pays m'bral trouver m'na souffrance encore ben l'aimre pays a ap tomber sous domination l'autre monde alors que pays a te travail pour te gain indépendance li vous comprendre ça m'le dit non frères et sœurs amen c'est ça qui capable un élément de souffrance pour Jérémie mais après quoi Jérémie te gen droit aux richesses, Jérémie te capable faire ça li te vle faire. Frères et sœurs, verset 6. Jérémie chapitre 40, verset 6. Jérémie alla vers Gedalia, même Jean que et Nebuzaradan te dit là, li te dit li met a joine Gedalia, la joine Gedalia à Mitspa et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Donc reste moun ki te nan peyi a yo vwe Jérémie al vini men Abdou reste moun ki te rete nan peyi a c'est surtout les gens pauvres ki te rete nan peyi a yo te kite yo nan peyi a Jérémie pral nan mitan yo li pral vivre et très certainement n'ap di bagala jan y a la Jérémie ap senti le bien pou le rete nan mitan yo pou le vivre avec yo sans aucun problème. Verset 7 lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris et leurs hommes que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Gedalia fils d'Achikam et qui lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmené captifs à Babylone. Ils se rendirent auprès de Gedalia à Mitspa, savoir Ismaël, fils de Netania, Jokanan et Jonathan, fils de Kareas, Seraja, fils de Tanumet, les fils de Fahi, de Netopha et Jezania, fils de Maïkatit, eux et leurs hommes. Alors ça, on dit non qui arrivait là. On dit les au courant, monsieur, on s'est de zone parce que pays a pas oublié, pays a tant pile. Les autant de que Babylone mettait Gedalia comme chef, et bien on paquette, mon homme, femme, yo toutes
pauvres qui étaient gagnés, l'autre monde yo pas yo pas voué en esclavage à Babylone yo, eh bien les moun yo tande ça, yo tout yon équipe solide y aller bon côté Gedalia pour yo parler à Gedalia. Gedalia et pour al connait exactement non pral chercher même les que les ka gete arrivé, c'est prochainement non ka continuer la dani. Yo dit non Gedalia fils d'Akiram et de Shaphan leur jura à eux à leurs hommes en disant ne criez pas de servir les Chaldéens. Demeurez dans le pays, servis le roi de Babylone et vous en trouverez bien. Donc Gedalia dit, vous n'avez pas besoin de faire un problème. Vous m'avez accepté pour vous sous les ordres du roi de Babylone. Vous avez vu bien dans le pays, vous n'avez pas privé. Donc ça veut dire, vous remarquez, Gedalia, lui-même, il était obéi à l'Éternel. Alors, frères et sœurs, nous, tout l'autre qui subit ça ou subit ça, premièrement, il était dans désobéissance à l'Éternel, dans désobéissance à l'Éternel. Deuxièmement, malgré les prophéties de Jérémie, il a boumé à tête, il a pas voulu obéir à la parole de Dieu. À ça, l'Éternel te voyait dit. Voilà que quand il y a la frère et sœur, il arrive dans une situation, tout ça qui était accepté, obéi, tout le monde ça, la parole l'a montré non. Il aurait été, il a vécu paisiblement, hein, paisiblement dans le pays. Mais ça pas d'accord, yo. Faut que nous disions vérité à Jania. Ça pas d'accord, yo. Ah, bagay la pas bien pour yo. Non, vous comprendre ça. Ça pas d'accord, yo. Bagay la pas bien pour yo. C'est ça que t'es d'accord, yo. Qu'à vivre normalement, paisiblement, hein. Et ça pas d'accord, yo. Yo mouri. D'ailleurs, non pas hésiter pour nous dire, yo mouri de trois manières principales. Et par l'épée, par la faim, hein, par la peste, avait dit par maladie. Vous comprenez? Et ça qui est d'accord pour y aller, y a la veille, les finis respirer dans le pays, l'Éternel pral permettre que y aurait été sous les ordres de Gedalia et Jérémie était là. Pas oublier, Jérémie, c'est ton gros taux là tout, parce que Jérémie, c'est la présence de Dieu au milieu du peuple. Abraham, c'est très important pour nous connaître sa frère et sœur et l'Éternel et là encore Gedalia dit mon yo pour obéir à hériter parce que depuis yo rete là pas rien qu'à priver. Donc nous arrivons dans moment pour nous finir, c'est 41 20 74 33 36 76 58 73 que l'Éternel le Dieu d'amour était avec nos frères et sœurs aider nous comprendre que importance parole dans la vie non que bon Dieu bénisse et chacun de nous.